La reine est prête. Absolument faire tirer les jaunes. Oh là là. Salut les pétanqueurs, bienvenue chez vous, bienvenue sur la web télé Boulistenaute. On se retrouve une nouvelle fois ici dans la chaleur d'Objat ici en Corrèze où il fait une chaleur torride, hein, n'est-ce pas Pierre? Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire, encore nous on s'en sort bien, on est bien à l'ombre. Ce que je disais, même exceptionnel, c'est une des rares fois où je vois Philippe Quintet avec une casquette, c'est pour dire que ça cogne dur. Voilà, donc on va se retrouver, vous le voyez, la présentation des deux équipes, c'est une partie de cadrage. Hein. Deuxième partie après les poules. Donc on va pas faire l'économie d'une partie pour ces deux équipes hein, qui sont dans le cadrage. Donc vous le voyez, Philippe Quintet associé à la jeunesse française, voilà. Lucas Desport et Ligan Dower. Ils seront opposés à une équipe dont il va falloir se méfier, évidemment. Vous avez peut-être reconnu, ils ont eu l'occasion déjà de passer devant la web télé Boulistenaute, David Winterstein, Cyril Georget et Pierre Portier. Ouais. Une équipe redoutable dont il va falloir se méfier. Bon palmarès aussi chez les Bleus, ouais. Voilà, et évidemment, là, on vous disait la température qui peut jouer, hein, parce qu'il fait très très chaud ici sur le ciment d'Objat, ou le goudron d'Objat plutôt. Avec ce terrain difficile au point, on vient de voir les quelques bouts de jouer, comme la partie d'avant avec Christian Fasino, qui avait du mal à maîtriser ce terrain. Et là, on sent bien que ce terrain qui paraît facile à l'écran est quand même très difficile à la pointe. Quelquefois, on dit que quand on fait rouler la boule, c'est plus difficile à maîtriser parce qu'il y a beaucoup de chemin à faire. Mais c'est à se demander si ce terrain n'est pas fait justement peut-être plus pour des rouleurs, ouais, que des envoyeurs de boules, parce qu'on a vu quelquefois des boules mal piquées rebondir un peu bizarrement. Et on va être vite fixé dans ces premières mains de cette partie. Vous n'avez quasiment rien manqué, c'est la première main. C'est la première main, oui. Alors d'ici, ça semblait facilement gagné, mais j'ai l'impression qu'on va sortir le maître. Et puis on ne l'a pas précisé, hein, Georget, Winterstein, Portier, c'est une équipe homogène club hein, qui nous vient de Longon-sur-Cher. Ouais. C'est quoi Longon, c'est le club aussi de Philippe Quintet, non? C'est exactement le club de Philippe Quintet. Et d'ailleurs, dans l'équipier, oui, vous jouez avec Philippe Suchot aujourd'hui, Boudry, hein, Eric Boudry. Ouais, ouais. Ah oui, des joueurs expérimentés, oui, une surchaîne, ça fait longtemps. Quoi. David Winterstein, tu parlais de palmarès, hein, qui a été demi-finaliste du championnat de France doublette en 2010 avec Christian Fasino. Bien sûr. Hein, qu'on a vu là. Il a été trois fois demi-finaliste à Millau en triplette, deux fois demi-finaliste, et il a été vainqueur de la Coupe de France des clubs en 2003 avec Montluçon. Tout à fait. Club dont il a été le pensionnaire pendant très longtemps. Oui, oui. Oui, c'est une figure du circuit, Winterstein. Cyril Georget, forcément, on se rappelle de son titre de champion de France en 2009, tête à tête. Eh bien, il n'a rien perdu.
100 dans le salon de Baudard sur le terrain 100. J'ai du mal à... On n'a pas bien vu le déroulement de la partie, donc je ne sais pas trop où on en est. On va attendre tranquillement la fin de cette première main hein, pour bien rentrer dans cette partie. En tout cas, je pense qu'il n'y a plus de boules hein, du côté de l'équipe de France. Là, c'est la dernière boule qui arrive. Et je pense qu'on va tirer la boule de gauche. Alors, à droite sur votre écran. On va envisager une belle main. Nous aussi. Alors, on va attendre. Officialisation au compteur. Je pense que c'est au moins 3, à mon avis. Ah non, tirer pour 2. On a préféré pointer pour rajouter un point. Je pense que prendre le risque de pointer, peut-être de pincer un petit peu le but. En tout cas, l'équipe de France est avertie. Ouais. 2-0 pour Georget et on va jouer la deuxième main. Deuxième main qui va se jouer à 9,80 m. On va jouer au deuxième tour du Godard sur le terrain 83, le 582 contre le 583. 582, 583 sur le terrain 83. En deuxième de finale, la 135 de Gérard Sira contre la 273 Jean-Michel Andrian Chaka, Madagascar, 273 contre 135. Gérard Sira, 135, vous allez récupérer votre fiche de jeu, s'il vous plaît. Allez, là, un bon 80 cm après la boule. C'est passé. Ça... Dans le terrain 139. Parfait. Le quintet, mais qui fait rouler, hein, vous l'avez vu. Le 534 contre le 589. 534, 589 sur le terrain 139. Non, j'étais un peu short pour les mettre. Alors, belle part. 32e de finale, ça va se dérouler dans le carré d'honneur sur le terrain. La 62, Patrick Laure, associé à Michael Feuertag et Luc Lai, contre la 59. Stéphane Robineau, Michael Bonetto. Aïe aïe. Bon. Alors, ça se corse dès le début de la main hein, pour les joueurs du Cher, là. Troisième. Le Loir est cher. Rectificatif, le Loir est cher, effectivement. Je voulais titiller un peu notre ami Lionel Zanet, mais il a réagi dans le quart de seconde. Hein. Ah ouais, là, c'est un... Je ne sais pas s'il est rentré à deux, mais au moins, il l'a repris une fois. Contre le 573.
Alors, on n'a pas l'info s'il y en a deux. En tout cas, on va tirer la celle qui est dans l'axe. Hein. On va tirer. Ouais, ça, c'est parfait, plein fer. Et il y en avait qu'un, c'est ça. Il y en avait qu'un. On va jouer au deuxième tour du Codard sur le terrain 98, le 609 contre le 523. 609, 523 sur le terrain 98. Eh oui. Alors, est-ce qu'on est en train de se dire on tire deux fois, on défend un point qui est plus que correct, ou est-ce qu'on essaye de fermer la boutique? Ça, c'est 4 boules qui restent. Il faut tirer tout de suite, quoi, parce que... Je crois qu'il va tirer. Hein. Ouais. Je crois que c'est le jeu, hein. Il y a le but derrière. Je vais voir tout de suite, alors. Je te laisse, il y a une coupure d'électricité. Aïe, aïe, aïe. Et B. Mais 3 boules à 1 et 2 points à l'équipe Quintée. Sur le terrain 102, le 600 contre le 533. 600, 533, terrain 102. Oui, mais c'est pas repris. Grand électricien, souci électrique. Pas grand chose qui gêne pour rajouter. Monsieur l'électricien, si vous êtes là, merci de nous rejoindre. Ah, c'est 4 boules, 4 boules à 0 et 3 par terre. On va jouer au deuxième tour. Ah, pas de risque, on va taper la boule qui peut gêner. 85, le 520 contre le 559. Terrain 85, 520, 559. Donc jouer sur le terrain 134, le 577 contre le 566. 577, 566 sur le terrain 134. Stéphane Robineau, vous êtes couvert. 238, Christophe Péano, vous êtes couvert également. Sur le terrain 141 dans le B. Le 562, je pense qu'il n'est pas rentré. Pour le 507, ouais. 562, 507 allez. Sur le terrain 141. Il retire à deux. Il a deux points, il suffit d'en rajouter un. Sur le terrain 79, peuvent jouer dans le B, le 596 contre le 603. 596, 603 sur le terrain 79. Et voilà, 3 points pour l'équipe Quintée, 3-2. C'est le but.
but à 8 mètres. Jouer sur le terrain 111, le 592 contre le 512, 592, 512 sur le terrain 111. Le 512. Sur le terrain 76, le 529 contre le 549, 529, 549 sur le terrain 76. Bon. Je pense que c'est pas repris. Voilà, on se pose toujours la question. Et... la pointe est tellement difficile qu'on n'hésite pas, on part au tir. Ouais, parfait. Parfait, faut pas aller. Deuxième finale, la 83, Joseph Lafleur contre la 320, Christian. Alors, excusez-moi, j'ai dû m'absenter pour petit problème technique, c'est réglé, donc bien 3-2 pour Quintet. Et deux points par terre, ensuite un beau palais de portier. Je pense qu'il n'a pas coupé le deuxième. Sinon, il serait parti au tir. Hein. Ouais, on parlait de récemment de Christian Fasino qui s'envoyait au point, mais on voit que Philippe Gerbet aussi. Hein, on voit que ce terrain, il est draconien, vraiment. Tu l'as dit. C'est difficile, ouais. Il a laissé des deux, effectivement. Ouais. Oh là, il prend le même chemin. Ah, peut-être que là. Il a pris le même chemin. Alors, il en a peut-être. Peut-être qu'il l'a pris, mais bon. C'était pas ce qui était. Ah non, ils ont vraiment du mal à. Hein. Vraiment du mal à bien pointer sur ces terrains. On a vu Mono Felta bien les sécher, là, tout à l'heure. C'est peut-être la solution. Alors qu'on voit Philippe Quintet qui les. Parce qu'il a, il est un petit peu bas quand même, parce qu'il ne m'a pas semblé que la boule soit partie complètement à gauche. Alors on va voir si on est en second, parce que là c'est sûr qu'on va aller au tir. C'est clair, je pense. Il est rentré, donc on va tirer. Opération casser du point. Non mais on sait quand même avec ils ont plus de réussite. Plus de chances de réussir au tir qu'au point. C'est moins aléatoire. Hein. Ouais. Allez, c'est arraché, mais ça compte, ça fait jouer. Thank you.
Voilà. Oui, aïe, aïe, là, ça change le jeu. Ah, c'est peut-être pas plus mal. Ah, là, je pense qu'il s'est donné 2 points, peut-être. Non, sur peut-être. Sur le terrain 100, le 542 est attendu. Le 542 pour jouer sur le terrain numéro 100. C'est parfait. Bravo, c'est parfait. Bien joué. Oui. Il avait embouchonné pendant un moment, après elle a tourné un petit peu la boule. Elle peut passer seule comme suivant. Suivant comment il la frappe, ça peut bouger sur la gauche. Ouais. Il n'est pas loin de s'en mettre dans les deux là. Bien tiré, bravo. Bien trié. Mais c'est pas l'équipe de France qui a la marque. Dans cette main, il reste deux boules à. Ah oui, sur ça. Ouais. Et comme tu le disais, il y en a peut-être deux. Oui. Elle est déjà tirée pour la marque dans un premier temps. Et après, on fera les comptes. Et vous le voyez, on a un autre de luxe hein, sur le Barnum Boulistonaut dans la personne d'Alain Godard, hein, qui est un des principaux sponsors de cette manifestation et qui a d'ailleurs le concours de l'après-midi qui porte son nom. Voilà. Et de la pétanque en général depuis des années, monsieur voilà. Godard. Le local de l'étape. Ouh, oh là là, là. Celle-ci est ce qu'on appelle arrachée. Ouais. Et entre collègues de club, on ne dit rien. Même si on n'en pense pas moins. En tout cas, il a arraché la marque. De manière un peu heureuse, mais ça compte. Allez, 3 partout. On va jouer la 4e main. Et on peut parler d'un round d'observation encore hein, pour l'instant. Pour en jouer au 2e tour du challenge Godard sur le terrain 91, le 557 contre le 543. 557. 543, terrain 91. Allez, ce but qui n'en finit pas de rouler. On va se retrouver à peu près à 1,20 m de la ligne de perte. Du challenge Godard sur le 500, sur le terrain 112, pardon. Et on va faire mesurer. 512, il est arrivé pile au 10 mètres, hein, donc on va voir si les pas faisaient bien 1 mètre. 112. Eh ben non, on a légèrement dépassé. Les pas devaient faire 1,05 m à mon avis. Et on va le placer à 8,30 m.
Bravo. Ouais, Cyril Georget, c'est la valeur sûre, hein, quand même, ouais. Au point. Sans beaucoup, beaucoup de maîtrise dans l'envoi de la boule. Et ça, c'est de la maîtrise. Ça aussi, c'est de la maîtrise. Ouais. Lucas Desport, hein, qui est deuxième année, qui avait rejoint le club de Bourbon-Lancy. Il joue en doublette avec Manu Lucien. Qui s'est révélé très jeune. Hein. Je me souviens des trophées des villes, les 14-15 ans, celui qu'a des sports. La Dordogne, je crois, originaire. Oui. Bergerac. C'est ça. Avec Ligandauer, c'est un beau duo d'attaque. Qu'a des sports qui a été demi-finaliste du championnat de France tête-à-tête en 2018, quart de finaliste en 2021. Et qui est champion d'Europe Espoir 2018, champion d'Europe Junior 2016. Ouais. Voilà. Et à chaque fois, et originaire de la Dordogne, c'est ça, tout à fait. C'est une histoire de famille, hein, puisque la maman, oui, Valérie Labrousse, a déjà été championne de France. Hein. Exactement. Ouais, c'est bien envoyé, hein, Cyril. Métronome. Ouais. Ah oui, c'est une bien belle confrontation. Hein. Le 577, Rocher-Cédric est attendu sur le terrain 134. Ça suffit. 577 est attendu sur le terrain 134. Bonne deuxième de finale, la 199, David Sarrazin contre la 28, Christophe Sanchez. Christophe Sanchez, la 28, venez récupérer la fiche, s'il vous plaît. Wow. Un autre style en faisant rouler, mais ça peut... Dans le terrain, 82, c'est plus aléatoire. Tour du Godard. Et ça a marché. Terrain 82, donc le 623 contre le 560. 623, 560. Allez, on va continuer à tirer, hein, malgré 82. Que cette boule soit passée de 60. C'est normal, on utilise la force de frappe. Ouais. On l'a vu au point, ça peut être aléatoire. Voilà, sans bavure. C'est frappé. L'équipe 567, Fort Samuel, est attendu sur le terrain 80 par ses adversaires. Bien, bien. Christophe Sanchez, vous êtes couvert. Là, c'est pas pareil. Hein. Un cadré, un petit peu moins de place. Autant on pouvait jouer un petit peu en dilettante la reprise. Là, il va falloir s'appliquer un petit peu plus. Ouais. Il n'y a pas une grosse différence. Non. Je suis un petit peu emballé. Une perspective un peu trompeuse. Je pense qu'il n'y a pas trop d'écart entre les deux boules. En tout cas, on ne peut pas jouer un point sans un maximum de concentration. Ah, celle-là est perdue, je crois. Alors. Je ne sais pas s'il l'a perdu sur les deux. Ah, je ne sais pas. En tout cas, on va pointer, c'est sûr. Il reste deux boules à Philippe Quintet. Deuxième tour du challenge Godard sur le terrain 142, le 517 contre le 606. 517, il n'y a pas de discussion. Allez. 142.
dans le concours B sur le terrain 78, le 586. Allez, deux boules de marque pour Philippe Quintet pour prendre l'avantage dans cette partie. Donc, deuxième de finale de l'international, la 8, Nelson Gilbert contre la 23. C'est chiqué. On vous l'a dit, hein, ce terrain ne pardonne aucune largesse. Il est au pied de la boule. Alors, c'est pas une largesse, mais c'est pas plein fer. Hein. Non. Allez, il n'y en a plus qu'une. Pas une grosse différence au score quoi qu'il arrive, mais il faut taper pour marquer. Ah ben voilà, ça c'est bien frappé. Voilà. Alors est-ce qu'il y en a deux, est-ce qu'il y en a trois? Je pense qu'il y en a deux. Il y en a deux sur. Ouais, je pense que c'est deux. On va attendre confirmation quand même. Pour Charles Godard sur le terrain 137, le 516 contre le 576. Même de but ne va pas où on veut. Il visait le bord de ligne et il est en plein centre. Dans le B, pour en jouer sur le terrain 84, le 510 contre le 578. 510-578 sur le terrain 84. Ils n'ont pas marqué le score. Oui, on va attendre. Sur le terrain 86, le 501 contre le 584. 501-584 sur le terrain 86. Allez, les cartes sont redistribuées. Ouais, la boule a suivi. Je pense que c'est Philippe Quintet qui était destiné à scorer. Il était dans le rond. Et maintenant, c'est fait. Donc, c'est bien deux points. Bien vu, Pierre. Christophe 5 à 3. Et ce but. Ouais, qui est à 10 mètres maintenant. Oui, qui passe à 10 mètres. C'est dommage parce qu'il avait fait, palais, hein, quasiment sur le but. Forcément, ça change un petit peu la donne. Ah, il avait le poids, mais on l'a vu, hein, la boule qui est partie sur la droite. Ouais. Le 518, pardon, est demandé à la table de marque. Le 518. Alors, Philippe Quintet, qui a priori va envoyer à peu près aux deux tiers du jeu. Oui, c'est ce qu'il a regardé. Ouais, sans problème. Ah, c'est bien envoyé. Perfection. Ouais. Oh là là, bravo, la perfection, bravo. Ben non, c'est une gloire et cher, c'est pas pareil. Belle reprise, c'est Negan Dower.
pour en jouer au deuxième tour. Le Challenge Godard sur le terrain 90, le 611 contre le 561. 611-561, sur le terrain 90. Passer aux recommandations du docteur Christophe. Il faut aussi gratter les cochons. Si vous voulez manger des glaces, vous pouvez aussi. Elles sont bonnes. Ah, sur bravo, belle reprise de Cyril Turgeon. 143, le 612. Ah, là, c'est dangereux, hein, je crois que. 612 et 610 sur le terrain. Ah, ils ont la boule en contre. Il ne faudrait pas qu'il soit. Hein. Je ne sais pas. S'il va tirer, il fait des sports. C'est chiqué. Alors, ça rééquilibre. Hein. Deux boules à deux. Ouais. Mais avantage, ah ouais. Langon sur chair. Ah oui, il faut qu'il rentre là parce qu'après, les bleus auront un tir à 3. La 28, Christophe Sanchez. Langon sur chair, on ne l'a pas précisé, mais qui a été champion de CNC1 l'année dernière. Mais oui, mais c'est vrai qu'il y a du bon monde dans ce club. Il est court. Alors il reste il deux. Est rentré. Ouais, ouais, c'est ça, il est rentré. Ouais, c'est ça, ils vont tirer. Tir à deux. Évidemment, il y a toujours le risque de contre, c'est mais. Ça. C'est ça. Faut pas y penser. Alors le nouveau qui a été changé, une MS. Ouais. Ça s'est passé apparemment. Ouais, ouais, je crois que c'est exactement ça, vous avez compris. Quand il y a des points, des boules qui restent en main dans l'équipe. Voilà, s'il y a des boules dans les deux équipes, personne ne marque. Et s'il y a des boules que dans les mains d'une équipe, c'est cette équipe qui marque autant de points qu'elle a de boules dans la main. Exactement. Ouais, là, il y a deux tirs pour trois points, je crois que c'est un peu. On peut espérer en mettre un deuxième. Mais... Ouais, je pense qu'ici, mais un sur deux, ça sera très bien. Ouais, oui, ce sera très bien. Très bien, ça leur permet de revenir à, ça leur permettrait de revenir à 5 partout. Ouais. Oh le but, oh là 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 là. Eh ouais, c'était le danger. Ah, ils ont eu chaud, hein. Parce que alors s'ils l'embarquent. Ouais. Ça boule qui avait suivi évidemment, ouais. Mais celle de derrière, c'est celle de l'équipe de France, hein, donc. Un petit peu long. Comme tu as dit, une sur deux, ce serait très bien. Mais garder le point, ça serait encore mieux. Allez, dernière boule de la main dans les mains de David Winterstein. Ouh ah, là là, ah, le petit Rami. Est-ce qu'il en a fait deux? Oui, oui, oui. Il y en a deux. Pour en jouer, allez, c'est 5 partout. Sur le terrain 144, le 531 contre le 570. Et ben on ne se quitte pas à l'issue de cette cinquième main, 5 partout comme tu l'as dit. On s'observe, on se craint. Sur le terrain 88, le 504 contre le 567. 504-567 sur le terrain. Et on va jouer la sixième main. Olivier 39. Serge Olivier 39. Venez récupérer la fiche, s'il vous plaît. Allez, le but qui est à 8 m 90. 569 est demandé à la carte de marque. 569. Bien, bien.
549. Calvi Alain est attendu au terrain 73 depuis 20 minutes pour un dernier appel à la disqualification. Il a 10 minutes. Allez, il y a un petit peu de marge hein, pour Philippe Quintet, mais attention à ce terrain. Et puis je vous disais, on est à presque 9 mètres. On l'a vu faire rouler les boules, on l'a vu envoyer à peu près aux deux tiers du jeu. Pour l'instant, très bien joué, bravo. Ça c'est parfait. Passer à ras la boule face au but. C'est parfait. C'est parfait. Ouais, malheureusement, il a un peu. Ouais. Son point est moins joli. C'est ça. Il a fait le principal. Sur le terrain 141. Le numéro 507. Terrain 141. Luric Santoro est demandé terrain 89. Ah, celle-là, mal piquée. Bonne jouer au deuxième tour du Challenge Godard sur le terrain. 145, le 537 contre le 538. 537, 538 sur le terrain 145. Sur le terrain 94, le 581 contre le 532. 581, 532, terrain 94. Ah, ça c'est parfait, tiens. Bien joué. Peuvent jouer au deuxième tour du A sur le terrain 101, le 575 contre le 553. 575, 553, terrain 101. Oh là là, sur le terrain 95, bravo. Ah, celui-là, ça mérite un replay. C'est clair. 585. Sur le terrain 95, le 585 contre le 513. 585, 513 sur le terrain 95. Alors, est-ce que le fait de s'être collé au but, ça va le pénaliser? Eh bien oui, ça l'a pénalisé. C'est dommage hein, pour l'équipe d'Amblou là parce qu'ils avaient l'avantage de boule, ils avaient un point qui était très bon. Alors il avait frappé certes, mais ils auraient dû rejouer les Français, l'équipe de France. Allez, pas de points distribués. On va jouer la 7e main, toujours 5 partout. Un jeu à 7,80 m. Allez, belle boule d'attente là. On va aller un petit peu derrière. Le 622. Ouais, oui, mais il peut se perdre ce point. 624. Il peut se perdre. Terrain 127, 622, 624.
Ah, bravo, belle reprise. Oh là là là, ça c'est phénoménal. Magnifique. Dans une série là. Pierre Portier. Ouais. Exceptionnel. Ça, c'est des boules qui comptent, hein, au tir. C'est pas le premier qui nous fait. Hein. Et ben voilà. Ah, il a fait coup de rang, il a fait le ménage. Ouais, ça s'est bien passé. Hein. Ouais. Ça s'est bien tiré. Hein. Il est bien dans la boule. De toute façon, il avait fait carreau. Sur le terrain 108, le 551 contre le 525. 551, 525, terrain 108. Alors, 4 boules à 4. On prend le temps de la réflexion hein, chez les Bleus. C'est vrai qu'elle est en plein jeu. Alors, il y a un petit peu de place à droite à gauche, mais si on reprend en pile derrière. Oui. Ah, on va tirer, ça je pense. Ouais, je pense que le jeu, c'est de tirer. Ah, oui, on a trop peur après de la contre éventuelle. Puis à ce niveau-là. On connaît la force de frappe. Hein, bah oui. Quand il y a des sports, après, il y a Dower. Donc, ouais. On préfère les faire pointer. Aïe, 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 un petit peu gourmand. Ah oui, ça c'est le pire quand on saute comme ça. Ouais. Allez, vous avez été très nombreux à participer. Eh oui, logique. Mais les boules sont encore dans les mains, Pierre. La différence n'est pas si flagrante. Pour l'instant. Enfin, on disait déjà les boulistes avaient largement publicité Feltin tout à l'heure, ouais. Mais ça a été long à se décider. Exactement. Finalement, c'était bien Feltin qui l'a emporté, associé à Fasino et Elfrick. Donc on va voir si nos amis boulistes sont bons en pronostic. Bien, bien, bien au prix. Christophe Girard, 90, venez récupérer la fiche de jeu, s'il vous plaît. Alors, 4 boules à 2. 554 pour l'équipe de France. Et une belle mène là qui s'offre à eux. Et oui, il y en a deux. Le principal est fait. Il y en a deux. 3 boules à 2. Attention. Ça peut être une mène. Une mène déterminante dans cette partie. C'est clair. Déjà le gagner dans un premier temps, ça c'est le minimum. S'il pouvait la cacher. Il n'y a pas beaucoup de place hein, pour la cacher parce que. À part embouchonner ou se mettre un petit peu avec. Ouais. Là, elle est toujours belle à tirer. Hein. 641, terrain 130. Le terrain 106, le 568 contre le 548. 568, 548, terrain 106. Alors, c'est frappé. Il y en a deux. Et deux boules à vue pour l'équipe de France. Ouais. Sur le terrain 115, le 556. Ouais, d'ailleurs, je m'accorde, Elia. Terrain 115. Il y a de la place pour cadrer. Se dit en cadrant, il fait 4. Ouais. 514, terrain 77. Après, c'est sûr qu'en pointant deux fois, t'en fais 3, ça fait qu'un de différence, mais
Voilà. Les gourmands. Je pense par rapport à celle de gauche, je ne sais pas. Il y a les autres à gauche là-bas. Je ne suis pas sûr. Ouais. Ouais. Il y a intérieur de l'air. Je pense qu'il y en a que deux par terre. Bon, ça va faire 3 tranquilles. Sur le terrain 99, le 502 contre le 527. 502, 527, terrain 97. Et voilà, c'est fait sans difficulté. Allez, accélération là pour l'équipe Quintet. Le terrain 130, le 541 est attendu. On va attendre, confirmation du score, et oui, c'est bien ça. 3 points. Voilà. La ligne de perte est pas loin. Hein. Ouais, mais il n'y a pas. Sur le terrain 108, 107, le 564 contre le 558. 558, 564, terrain 107. Sur le terrain 75, le 599 contre le 535. 535, 599 sur le terrain 75. Oh, ça c'est magnifique. Le 515 sur le terrain 81 contre le 552. Le 552, Dino Sébastien, est attendu par ses adversaires sur le terrain 81. Ah, ça c'est parfait. On a peut-être perdu un but dans la bagarre, mais. Non, je crois qu'il n'est pas allé très très loin. Alors, les joueurs qui pensaient rester à l'ombre pour cette main vont retrouver le soleil au fond du jeu, puisque vous voyez, hein, l'ombre qui gagne du terrain tout doucement là sur le jeu. Et là, on repart dans l'autre sens. À 5, score inchangé, on va jouer à 8ème main. Ouais, c'est beau carreau. C'est donc, dommage. Sur le terrain 105, le numéro 565 est attendu. Car Johan, sur le terrain 105, le numéro 565. Bien, bien, bel appoint. Boule un petit peu bâtarde, comme on dit, hein, sur le côté, oui, comme oui. Ça. Une boule qu'on hésite à partir à l'attaque, on pense qu'on va le gagner. Un petit peu le point du Hongrois, comme on dit quelquefois. Parce qu'on croit qu'on va le gagner, et puis on le perd finalement. On va voir. Ouais. Ça, c'est un beau point à défendre. Et ben là, ça c'est parfait. Il repris. Je pense que s'il avait voulu la poser à la main, il l'aurait certainement mis là. C'est clair. Il y avait encore de la place pour en mettre un. Hein. Là, on va pas se poser de questions. Hein. Non. Pierre Portier, là, qui est sur un nuage pour l'instant. Ouais, ouais, il m'impressionne ce jeune. Ouais. Bien. C'est frappé encore. Série en cours, hein, pour l'instant. Ouais. Thank you.
1. Je pense qu'elle n'a pas tourné. Elle a mal piqué, hein, surtout. Ouais. On a vu la partie à gauche. Là, c'est... Là, je pense que c'est une partie du terrain où il n'y a quasiment pas d'épaisseur. Hein. Allez, on change de tactique. Et on va tirer. C'est bien. Sur le 148, le 613 contre le 590. 613, 590 sur le terrain. Ah, 148. La sienne seule, ouais. Il enlève la sienne seule. Le terrain 110, le 614 contre le 615. Ah, c'était difficile d'enlever l'autre seul. Non, mais bon, en tapant plein fer, bah on peut éclater les ça. Deux, il peut oui. rester. Ils sont presque obligés de retirer. Hein. Ouais, parce que la sienne est quand même restée derrière. Bon, elle n'est pas non plus perdue. Et il revient. Ouais, ils savent bien qu'au point, c'est difficile. Alors c'est frappé, mais cette boule qui n'est pas sortie là-bas au fond. Non, la sienne n'est pas sortie. 2-1. 4 boules à une. 4 boules à une. Hein. C'est peut-être pris. De toute façon, il fallait au moins en couper hein, déjà, parce que là, ça va proposer une solution de tir. Hein. Ils sont 3 boules à une, donc c'est pas dramatique hein, de l'avoir manqué. Bon, c'était mieux pour les bleus, évidemment, de faire venir la dernière tout de suite. Ouais, ils vont faire jouer, allez. De 32e de finale, Maxime Marin 51 contre Vincent Morelli. Et trop court. 11, la 11. Il faut vraiment les prendre plein fer. Hein. On ramasse pas là. Petit moment qu'il n'avait pas manqué, hein, Pierre Portier. Ouais. Il était vraiment sur une très très belle série. Pas joué sur le terrain 135, le 500. Qu'est-ce qu'on fait contre le 591. 572, 591, terrain 135. Sur le terrain 111. Le 576 contre le 526. 576, ouh, alors celle-là n'est pas tirée du tout. Non. Mais finalement. Mais maintenant, faut pas. Ouais. Il n'a plus le droit de tirer. Hein. Finalement, cette boule qui n'a pas été reprise, qui n'a pas fait venir la dernière, et ben, elle a des conséquences hein, parce que on va jouer les trois dernières boules d'affilée. Ah, faut pointer. Hein. Allez, dernière boule pour le. Joueur du Loir-et-Cher. Sur le terrain 147 pour le 536 contre le 524. 536, 524 sur le terrain 547. Eh ben, c'est bien, il a repris. On va tirer au point. Il y a une douleur, ça fait très longtemps qu'il n'a pas tiré. Hein. Je sais pas. Ici, je pense qu'il a tiré en début de partie. Et là, il reste sur une série sur au point. Récemment, champion d'Europe doublette hein, avec Henri Lacroix. Ouais. C'était devant les caméras de la web télé Bouliste Note à Martigny en Suisse il y a quelques semaines. Ah, il a contrôle sur la CNB. On deux points au blanc. On ne l'avait pas envisagé, ça. Ouais. C'est pourtant, il y avait... Et 8-6.
belle courbe, hein, mais ouais, pas tout à fait droit. Ouais, rien n'est fait dans cette partie, on se tient. Sur le terrain 116, le 545. Et bien, on est reparti en fond de cadre. 579, 545, 579 sur le terrain 116. Oh là là. Je pense qu'il va falloir un coup de mètre encore. Sur le terrain 118, le 605 contre le 509. 605, 509, terrain 118. Mètre 90, très précisément. Terrain 118, le 605 contre le 509. 605, 509, terrain 118. De finale de 187. Allez, attention à droite, attention, attention à gauche, attention au fond. Il va falloir beaucoup de précision là. Ah, c'est parfait. L'essentiel est de ne pas la perdre celle-là. Sébastien Savary, la 55 de Ivan Djukic, venait récupérer la fiche de jeu finalité. Qui vont partir au tiers. Allez, mission pour des sports, faire un petit peu de place, comme l'a dit Philippe Quintet. Oui, c'est fait. Une ficelle cassée entre le terrain 57 et 59. Gérard, si tu es disponible. Faites continue. Ouais. Toujours pas de boule dans le jeu, hein, par contre. Ah oui, ouais. Souvent à nos partenaires quand on est sur le terrain, essayez de te rappeler de la route. C'est parfait, hein. Ouais. C'est vraiment parfait. Allez. Du bon côté, le poids. Il peut se mettre à l'ombre, il a fait le job, Cyril Georget. Eh bien, écoute. Trois boules à trois. C'est à l'équipe de France de jouer. Plus de boules sur le jeu.
16e de finale, la 272. Kamit Subsat, la Thaïlande, contre l'association franco-belge 176 de Dédé Lozano. Dédé Lozano 176, 272. Thaïlande. Thaïlande, on est récupéré. Ah, celle-là, elle va passer, ouais. Bonjour, on la tirera pas celle-là. Hein. 114, 521. Ah, c'est vrai qu'on joue près des lignes. 119, 521, 119, 114. Non, 96, non. Le 530 contre le 604. C'est très surprenant. Parce que tout à l'heure, il y a eu le même cas de figure. Même cas, c'était la même équipe qui a rejoué. Ouais. Alors j'avoue que je ne vais pas m'engager dans ce point de règlement parce que je sais que même à titre très modestement dans mon club, on a toujours cette question, à qui est-ce qu'il faut jouer dans ces cas-là? Est-ce qu'on joue chacun son tour? Est-ce que... C'est surprenant parce que tout à l'heure il y a eu le cas de figure et en effet... Oui, et on a posé la question à l'arbitre. Ouais. Oh là là, ah waouh, celle-là est bonne. Alors, on peut faire confiance à Philippe Quintet. Oui. Mais je pense qu'on ira, poser quand même la question pour savoir ce qu'il en est exactement et savoir quoi dire si on venait à nous poser la question. Ouais. Ouais, je pense que Philippe Quintet a raison. Mais c'était surprenant tout à l'heure aussi. Je pensais que c'était chacun son tour. Tout à l'heure, en effet, une équipe a joué deux fois de suite. Là, il n'a pas bridé, c'est parfait. Hein. L'équipe 504, Lavignac David est attendue sur le terrain 88. Lavignac David. Oui, l'équipe de France peut être différente en effet. Sur le terrain 88. Oui, effectivement, le pôle de l'équipe de France, il y a effectivement plusieurs joueurs et puis on adapte en fonction des disponibilités. Donc c'est pour ça qu'on peut retrouver effectivement plusieurs équipes de France, mais pas forcément avec les mêmes joueurs. Et puis là, cette équipe de France n'a rien à voir avec une future sélection, puisque Philippe Quintet, évidemment, et Lucas Desport ne sont pas dans la liste, on va dire, préétablie. Pour les qualifier, enfin pour être sélectionné pour les championnats du monde à Dijon au mois de décembre. Hein. Donc là peut-être il y a aussi le mois d'août, hein, il peut y avoir des personnes en vacances, donc tout le monde n'est pas forcément disponible. Bien, bien. Et bien, deux points dans la main. Deux points. Et bien, 8-8. Je le disais, on ne se quitte pas hein, du ouais. Côté de Quintet et Georget. On va jouer la dixième main, 8 partout. Et on a passé déjà quelque peu l'heure de jeu. Et il fait toujours aussi chaud ici à Obja. Alors la bonne nouvelle, c'est que vous voyez, le terrain maintenant est pratiquement une moitié à l'ombre. Ça permet quand même de se reprendre un petit peu. Il y a un tout petit peu d'air, mais c'est vraiment léger. Donc chapeau aux joueurs hein, pour tenir ce rythme. C'est vrai. Sachant qu'ils ont encore. Ces équipes auront encore deux parties à faire après. Hein, parce que là, c'est une partie de cadrage. Donc il y aura encore le 32e et le 16e. Et qu'ils ont joué sous cette chaleur ce matin aussi, hein, depuis 10h du matin. Allez, dixième main. Bien malin qui peut dire qu'il va l'emporter. Ouais. Je vous rappelle hein, que vous pouvez retrouver
tous les résultats sur l'application Boulist Note, le tirage au sort, la liste des équipes et le déroulement du concours. Il y avait déjà des équipes qui sont en 16e de finale. Il y a déjà quelques favoris qui vont jouer la dernière. L'équipe Robineau, Bonetto, Sario, Fournier, Durk, Prudhomme, Dédé Lozano, Villaret, Pfeffer. Donc il y a du très beau monde ici à Obja chaque année. C'est vraiment une des dates incontournables à la mi-août. Ouais, qui a remplacé le mondial de Millau dans le créneau depuis 2016. L'objet est un rendez-vous important. Ah, c'est une des rares fois où Cyril Georget s'est un peu égaré. Parce que je crois qu'il a quand même bien assuré depuis le début. Ce terrain. Ouais. On voit que. Caillouteux. Il n'y a pas de gros cailloux. Hein. L'effet un peu trompeur là, à la caméra, mais c'est surtout qu'il y a des épaisseurs qui sont très inégales. C'est ça. Ah, bien repris. En tout cas, si c'est pas repris, celle-ci elle compte. Ouais, si, c'est gagné. Ouais. Sans problème. Ouais, je crois que c'est peut-être la seule qu'il a. Il a mal joué Cyril depuis le début de la partie. Le terrain 136, le 547 est attendu. 547, 503, terrain 136. Il y a des sports qui fait une belle partie au tir jusqu'à présent. Il n'y a pas eu beaucoup de déchets. Je crois que c'est bien tenu. Chaque main, ça joue. Pour en jouer au deuxième tour du A sur le terrain 88, le 607 contre le 617. Bien, David le cherche. C'est pas repris. Il doit manquer un demi-tour, on va les tirer. On défendra deux points, dont un plutôt bon. Et celui-là est bien aussi. Ouais, ça c'est mieux que tirer, il a fait palais là. Ils ont à peu près deux points à égale distance là, plus un troisième sur le côté. Mais 4 boules à 2 pour l'équipe de France. Sur le terrain 92, le 608 contre le 506. 506, 608 sur le terrain 92. Allez, la plus gênante est aux planches maintenant. Ouais. Donc on va pouvoir pointer plus sereinement. Le 579, Monique Daniel est attendu. Sur le terrain 116, dernier appel. 579 sur le terrain 116. Dernier appel avant disqualification. Oulala. Ah, ça va. Ça va, c'est repris. Ouais, c'est même parfait parce que les un petit peu en contre. Deux boules à deux. Oui. Ça va encore être une main qui va se jouer certainement à une boule. Donc on va pas prendre de risque, on va pointer. On va pointer parce que
dans le jeu. Il y a 3 boules sur 5 qui sont à l'équipe de France. Hein, donc s'il y avait contre. Voilà, celle-là ne comptera pas. Il n'est pas resté droit. Il avait le poids. Ouais, mais... Il permet même difficilement de tirer aussi. C'est pas sûr. On ne va pas défendre ce point. Oh là là, ah, il est heureux, il a sorti la boule de Philippe Quintet. Christophe Dufoy, 91, venez récupérer la fiche de jeu, s'il vous plaît. Lucas Fouillac, ici. Trois points par terre pour les bleus, mais deux boules au blanc. 566, 540, terrain 119. Bien repris. Allez, il a assuré la marque, dernière boule. Devrait reprendre le maillot jaune, sauf catastrophe. Ah, je sais pas. Je sais pas s'il y en a deux. Le 619, Delphi William, est attendu sur le terrain. Ouais, il y en a deux. Et 18. On reprend 2 points d'avance du côté de l'équipe Quintet. Là, on va bientôt rentrer dans le Money Time. Et Ligan Doer qui lance le but à la malgache, mais là, il n'a pas réussi. Pourtant, il a le bon geste. 10 à 8, on va jouer la 11e main. Un petit peu plus d'une heure et quart de jeu. Jouer à 7m20 cette 11e main. Ouais. Ah oui, ça se joue une boule à chaque main, hein, c'est serré. Le 619, Delphi William, est attendu sur le terrain 114. Ah, c'est rageant, hein, pour taper ses boules à 7 mètres, mais... Sur le terrain 111, le 576 contre le 526. 576, 526, terrain 111. Ouh, alors ça c'est un événement. Ouais, hein. Ouais, je crois que c'est la première fois, et en plus à 7 mètres, c'est la première fois qu'il manque double. Le 530, il va y revenir parce qu'il y a le but, Michael, il y a le but qui demande qu'à partir. Sur le terrain 96 par ses adversaires, le 530 est attendu sur le terrain 96. Ils sont obligés là. C'est que là, ils ont plus le droit à l'erreur. Ouais, hein. Ouais. Il faut mettre 4 boules d'or, hein, pour pas perdre. Hein. Ouais. Alors, c'est saut en pointe et on ferme la boutique et on attend que ça se passe, mais je pense que le vrai jeu, c'est quand même d'aller tirer. Hein. Bah, encore une fois, le but est à portée, donc c'est pour ça. Je pense que c'est le jeu. Ah,
C'est peut-être Cyril Georget qui... Non. Non, c'est trop tôt pour le dire. J'ai l'impression que David Mitterstein, il va pas en courant quand même. Hein. Ouais, il ne va pas en courant. Il va essayer de faire une refonte peut-être. Non, non, ah, c'est Cyril Georget qui va tirer. Il va tirer. Pas de rafle, mais... Ah mais il y a des champions tête à tête, hein. Ça va pas le gêner de taper cette boule à 7 mètres. Hein. Même si c'est la première qui tire. Voilà, ouais, c'est réussi, fait, c'est sorti. Bien. Il a pris du bon côté. Hein. Ouais. Eh bien, score inchangé. 18, toujours, on va jouer la 12e main. Allez, deuxième main, on est pile à 7 mètres. Allez, c'est reparti. Il est vite remis dedans, hein, Pierre Portier, là, après ses, ses deux échecs de la main précédente. Ben oui. Ouais, quinté le métronome. Le 57. Sur deux, deux boules dans le cadre pour Landon sur chair. Quatre boules à quatre. Allez, on continue. Il a fait passer, ouais, c'est, ouais. C'est le principal. Arrive à ce niveau de partie, les palets peuvent coûter cher, hein. Faut faire attention. Surtout à 7 mètres. Mais là, il n'est pas resté. De toute façon, qu'ils le mettent, je pense qu'on va les tirer en défendant deux points. Oui, là, de toute façon, on est parti. On est parti pour le faire jusqu'au bout. Il doit l'avoir belle, hein. Voilà, ça fait trois. Attention. Attention, faudrait pas. Cyril Georget, ça va pas le gêner de taper deux fois. Ça, faut y penser. Faut y penser. On peut casser des points. Ben oui, quand il vient de le... Forcément. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Ça... Il tirera sa dernière, Lucas, si par malheur... Enfin, c'est par malheur, par bonheur pour Cyril Georget, il venait à faire un palet, il ne prendra pas le risque d'un cinquième palet. Hein. Oh là, si, c'est pris quand même. Un petit peu court, mais bon, c'est gagné. Ben, c'est le principal, ouais. Une fois une boule un peu plus courte, hein, ça peut aussi gêner. En tout cas, celle-là, elle est primordiale. Elle peut offrir une boule de gagne, hein, pour Georget. Encore une fois,
C'est vrai que j'aurais pris le devant de tirer dès maintenant. Il a pris le risque de tirer. Il faudrait qu'il tire sa dernière, hein, d'espoir. Et voilà. C'est fait, ça suffit. Il n'y a pas besoin de faire une frappe stratosphérique. Il y en a 4. Donc là. Là, il y a grattage de tête. Ah oui, grattage de tête. Mais je crois, enfin encore une fois, on l'a vu arriver. Hein. On l'a vu arriver cette grosse semaine. Ce qui est assez étonnant quand même, c'est David Winterstein qui a quand même fait deux frappes, qui n'avait pas été tiré la semaine précédente. Il avait pas confiance en lui, mais... Peut-être, oui, enfin, on pense que c'est la raison, je ne sais pas si c'est la raison, mais en tout cas, et à la sortie, il fait deux frappes décisives dans cette semaine. Et... Là, quand tu as 8 et que tu commences par faire deux palets, ça donne confiance à l'équipe, il faut jouer. Mais il va pointer, c'est surprenant. Ouais, quand même, en tirant, il casse la gagne, quoi. Il prend le risque de... Ouais, c'est surprenant, mais bon, c'est quand même pas moi. Je vais pas leur apprendre. Alors, pas tout à fait, parce que s'il fait pas palais, on peut encore tirer ensuite sur la boule qui est au fond à droite et faire carreau gagné, puisque là, celle qui est en sixième position, c'est la boule à Winterstein qui n'a pas cadré. Donc il fallait frapper, mais faire palais. Si les deux boules étaient sorties, on pouvait encore gagner. Donc là, il a, ouais. Ils ont choisi de pointer dans le but pour espérer que le but bouge ou espérer un trou. C'est ça. Allez, c'est carreau gagné pour Sergey, ça serait quand même une sacrée. Alors, surprise, ils ont très très bien joué, mais au vu de cette dernière main, il n'y a jamais eu de grosse main. Et là, il serait sur une main de 6 frappes. C'est parti. Ouh, il est un peu court. Il est un petit peu court. Ouais. Ah, il a un tir un petit peu en cloche et court, elle a rebondi. Eh ben, dites-moi quel. Ouais, j'y croyais. Enfin, j'y croyais, je sais pas. Oui, on n'a pas de préférence. Je ne suis pas partisan, mais c'est le fait que ce soit sur une courte distance. Et puis encore une fois, ça aurait été très beau de finir sur une main de 6 frappes. Bien sûr. Eh bien, on aura le droit à la fameuse 13e main encore. Ouais. Ah ouais. Ah, il est un tout petit peu court. Hein. La première, il l'avait frappé, il était devant, mais il était beaucoup plus... Donc la boule avait eu le temps un petit peu de se donner, mais là, il est 15 devant, donc la boule a rebondi. Ouais. Ah ben. Il y a eu deux fois dans la partie où il a été plus court, hein, qu'ils ont joué. Hein. Ouais, donc ils ont vérifié, le but doit être à plus de 50 cm de ligne de perte. C'est ça. C'est la règle pour la ligne du fond et pas pour les lignes de côté. Non, les lignes de côté, la seule chose qui peut intervenir, c'est que s'il y a des planches qui sont très près, les arbitres décident au début de la compétition si c'est un objet, si c'est un obstacle ou pas. Ah oui, d'accord. Mais là, on n'a pas de problème à objet parce que alors je veux pas dire les planches, hein, puisque là ce sont des cordes de marin, ouais. Hein, qui sont à quasiment 70 cm de la ligne. Donc là on n'a pas de problème sur les côtés pour jouer à la ligne. Non. Évidemment, Pierre Cornille, hein, qui s'inspire, le Corse corrézin qui s'inspire évidemment de ses amis de Bastia. D'accord. À qui nous allons rendre visite fin août, puisqu'à Bastia, toutes les planches sur la place Saint-Nicolas sont faites de cordage. Bravo. En tout cas, il n'a pas été déstabilisé par, par sa main de gagne manquée. Ouais. En tout cas, on voit vraiment une très belle partie. Hein. On voit vraiment une très très belle partie. J'ai trouvé même qu'on était monté en niveau hein, au fil et à mesure de la partie. Alors, il y a eu un très beau pourcentage de tirs. Et puis, Cyril Georget, Philippe Quintet, c'est une belle lutte au point. Ouais, comme on a une belle du tout tir entre Desport et Pierre Portier. Ouais.
Alors, même cas de figure que la boule précédente. Ah là, il la perd de peu. Ah, ça, ce genre de boule, c'est quand elle est arrivée qu'on se dit on aurait préféré qu'elle soit 70 devant. Alors, c'est un tir pour un gaucher, hein, ça tombe bien, Pierre Portier, il est gaucher. Ah, s'il la passe seul, ils auront un très très bon point là, à 50 ouais. cm de la ligne. Oh, bravo. Oh là, super. Un tout petit peu plus bas, il faisait carreau. Ouais. Ça travaille le métal hein, du côté de Langon-sur-Cher. Hein. Ouais, très très belle partie vraiment. Là, c'est la partie s'arrêtait maintenant qu'il fallait. Qu'il fallait un petit peu. J'en ai mangé mon mot, s'il fallait choisir entre les deux tireurs. Ouais, c'est difficile parce qu'ils ont tous les deux été très forts. Ouais. Pas comme les pointeurs. Hein. Non, il y a eu une belle partie. Ça va pas suffire. Il n'est pas resté droit. Je pense que s'il reste droit, il l'a gagné. Alors, c'est l'équipe de France de jouer, donc c'est Langon-sur-Cher qui va récupérer l'avantage. Le 540 est attendu au terrain 119. Le score. Ouais, c'est frappé encore, hein, magnifique. Trois boules à deux pour Georget, mais une seule boule sur le jeu, elle est à Philippe Quintet. À 9 pour Quintet, les points valent leur pesant de cacahuètes là dans cette fin de partie. Aïe aïe aïe, je sais pas. Alors elle est pas nulle part hein, cette boule, même s'il lui manque peut-être un petit tour, c'est pas sûr. On bouge pas de l'équipe de France, mais ça c'est normal. Hein. Et on va mesurer. 11-8. Attends. Ah oui, je... Ça suffit. Ça suffit. Je vois que vous êtes vigilant devant votre écran parce qu'effectivement, j'avais mal noté le dernier point. C'est bien 11-8 pour Quintet puisque Cyril Georget a manqué la gagne et a laissé le point à l'équipe de France. Alors, on défendait la boule chiquée par Pierre Portier, mais c'est manqué. Vous l'avez vu. Alors, soit on tire, on ne prendra qu'un point. Quoi, il y aura, quoi qu'il arrive, il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de grosse semaine. Ouais, ça sera pas... À moins qu'on décide de... Non, on va pointer. On aurait pu tirer. Hein. S'il fait carreau, il y a 13 sur le tapis. Hein. Après, il ne faut pas se perdre hein, pour... Ouais. Je pense qu'on va pointer, effectivement. Ouais. Et oui, il s'en veut, parce qu'en frappant deux fois, il pouvait gagner. Hein. Il suffisait de faire un carreau sur les deux. Et là, ça sera plus possible. Alors, dernière boule pour l'équipe de France. Et il restera une boule à David Winterstein. Cette boule qui s'est écartée. Je
je pense que c'est parfait. 76 peuvent jouer le 505 contre le 569. 505-569, terrain 76. Allez, s'il le rentre, on va complètement recoller au score, hein, du côté de Langon-sur-Cher. Voilà. Et bien, un point, 11-9. Le 562 contre le 544. 562, 544, terrain 79. On vient de passer une heure et demie de jeu. On va jouer la 15e main. 11-9 pour Quintet. Et on vous remercie parce que vous êtes très très nombreux à nous suivre cet après-midi. Je pense que vous avez préféré la fraîcheur de votre maison, certainement, avec peut-être pour certains la clim, que les extérieurs, hein, parce que je crois qu'il fait vraiment très chaud partout en France. Partout, ouais. Et merci à vous tous, hein, vous êtes un petit peu plus de 6000 à nous suivre pour cette partie de cadrage qui n'a pas encore rendu son verdict. Et bien malin qui peut dire qu'il va l'emporter. Pour l'instant, c'est Cyril Georget, hein, qui a eu la balle de match tout à l'heure, ou la boule de match. Exactement. Mais c'est Quintet qui mène encore 11-9. On joue à 8m10. Les boules montent de plus en plus haut avec Cyril Georget. Il a envoyé au ciel, vous avez vu, vous ne l'avez pas entendu, mais nous on a entendu, il n'y a pas un brin d'épaisseur, hein, où il a envoyé la boule, a fait un saut de kangourou et parti un petit peu sur la droite. Dans le but, mais il l'avait gagné, hein, de toute façon. Sur le terrain 92, le 506 contre le 608. 506-608, terrain 92. Tout petit peu haut pour le carreau. Ouais. Mais c'est très bien tiré. L'essentiel est fait. Ça fait jouer. Pauline Caillon, venez récupérer les fiches de jeu, mademoiselle, s'il vous plaît. Je vous donne les deux. On va dérouler l'intervenir au terrain J. Pour en jouer sur le terrain 78, le 515 contre le 586. 515-586, terrain 78. C'est parti, mais à chaque fois, je pense que là, il va falloir faire un petit carreau si on veut reprendre l'avantage chez les Bleus, parce que là... Dans le P, pourront jouer sur le terrain 80, le 538 contre le 594. 538-594, terrain 80. Voilà. Sans faute, hein, pour l'instant, dans cette main des deux côtés. Allez,
Ils n'ont pas le droit à l'erreur là. L'équipe bleue. Aïe aïe aïe. Là c'est difficile. Parce que les... Je pense qu'ici, tu as bien fait, le but devait bouger. Alors, est-ce que ça sera suffisant pour le faire traverser le jeu dans l'autre sens ? Ce sera une boule contre trois, parce que pour qu'il sorte, il faudrait vraiment qu'il le prenne plein. Ah ouais, aïe, aïe, aïe. Ah, ça sent la fin, malheureusement, pour l'Angon sur Cher. Ça sent la fin, Et oui, on a laissé passer le train tout à l'heure. Quand Cyril a loupé la marque à 5. Ouais, voire 6 au carreau. Hein, ils avaient 8, 5 points, ça leur suffisait. Il faut tenter la refonte. Oui, tu as raison, c'était même 5 au carreau. Il fallait cadrer. Hein, oui. Ça ne change rien, c'était manqué. C'est manqué. Allez, dernière la boule. Il faut bien jouer et brûler un cierge pour Cyril Georget. Donc pour la 273, Jean-Michel Andrian Tchaka. Oh, il a bien joué. Il a bien joué. Allez, les 4 de sport à 2. Deux boules pour la tirer, même s'il y avait un contre. Ils ont quand même un avantage suffisant, normalement. Andrian Tchaka, Jean-Michel, 273 de l'Amérique. Et ben voilà, c'est fait. C'est fait. Ça sera un carreau de ce magnifique joueur qui est Lucas Desport, qui a fait une très grosse partie, vraiment. Je crois qu'il a été régulier. Ah oui, vraiment, et puis il a eu à pointer quelques fois. Il s'est très peu garé de mémoire. Je crois qu'il a gagné, ouais. On a vraiment assisté à une très très belle partie, Pierre, hein, vraiment. Ouais, tout à fait. Ça aurait pu pencher de l'autre côté, on l'a dû. Il y a eu ce tournant de partie, là, quand Cyril Georget a eu ce tir à 5. Ouais, voilà, mais sur l'ensemble, je crois que Desport et Logan Doer ont... Et ben voilà, une très très belle partie. On est très heureux de vous l'avoir proposé. Des joueurs ont eu très chaud, hein, comme nous. Ils vont pouvoir aller un peu se reprendre maintenant un petit peu à l'ombre. Et oui, vraiment, on est un peu déçus quand même pour cette équipe en bleu parce qu'ils ont quand même pratiqué un très très bon jeu. Hein. Il y a eu une bataille de pointeurs, on l'a dit, une bataille de tireurs. Ça s'est joué à pas grand chose. Et puis, il va falloir élire évidemment l'homme du match. Mais comme la partie précédente, je crois qu'on va être d'accord très rapidement tous les deux. Hein. Oui, ouais, je pense que Lucas Desport a été excellent. Ouais. Philippe Quintet aussi a bien pointé. Là, il a perdu. Il lui a fallu une main ou deux un petit peu au début pour se mettre dans le coup, il a fait le job. A fait le job. Et mention, puis après, on va dire mention à la jeunesse. Hein. Exactement. Voilà, on a été très très heureux de vous proposer cette partie. Vraiment, on s'est régalé. On l'espère vous aussi. On va se retrouver très rapidement, évidemment, pour une autre partie ici, toujours dans la chaleur de la Corrèze à Objat, et bien sûr devant les caméras de la web télé Boulistenote. Très bien, à tout de suite. Hein.